Emprunter les rues d'Aurillac, c'est aussi sortir du centre-ville durant le festival. Cette année, dans le programme officiel, certains spectacles gratuits ont permis au public d'apprécier des représentations parfois surprenantes, comme pour ces rois du rallye, pleins d'humour. Parfait, emplacement, parc fermé. Ça c'est fait. Préparation technique en cours. Reconnaissance du parcours. On a combien de temps avant la reconnaissance? On a deux heures et demie à peu près. Ça va, parce que moi, je préviens tout de suite, je vais avoir besoin de me poser un petit peu avant. Oui, on a du temps, Corinne, pas de problème. Merci. Ensuite, la première épreuve spéciale chronométrée, c'est la N1. Le col de Grosse-Pierre, 17 km. 17 km? Par cette chaleur, hein? Ben oui. Ben avant, on faisait facile 30-40. Hein. Kilomètres? Ben évidemment, kilomètres. Qu'est-ce que tu crois? Si tu voulais faire une course de côte pour les pimpins, hein, fallait pas venir là. Hein. Les courses de côte, c'est le dimanche après-midi, 2-3 kilomètres deux fois. C'est plus cette chose. Ben, il faut déjà être passionné par le sujet. C'est-à-dire, il faut connaître un peu le milieu du rallye. Sinon, ça n'a aucun intérêt, puis on n'arrive pas à le faire bien, ni avec passion. Donc même si on n'est pas des vrais pilotes ou copilotes, on connaît le sujet, parce qu'on aime la voiture. C'est déjà la base. Voilà, eux, ils le connaissent un peu mieux que moi, je dois avouer, le sujet quand même. Oui, ma coco, c'est une bonne pilote, mais attention, elle n'a jamais couru. C'est sa première course, hein. Ah oui, mais quand même. Ah oui, bah alors comme c'est la première course, il faut faire les exercices, la gymnastique du pilote, hein. Il faut faire le talon pointe. Non, allez, On l'a déjà fait hier. Allez, hop. Donne-moi tes jambes. Hein. Oui, approche-toi un peu. Alors, jambe droite, accélérateur, jambe gauche, embrayage. Alors, tu es prête? Attention. Accélérateur, embrayage, accélérateur, embrayage, talon pointe, talon pointe, talon pointe, culotte. Alors, à l'origine, mécanicien. 9 ans de garage chez Ford, après rencontre avec Jouf, et puis depuis 92, professionnel dans le théâtre et en loisir mécanique. Ça a inversé. Alors cette passion du théâtre, de la voiture, c'est pour tous les trois? C'est surtout nous deux. En fait, moi je suis un pilote refoulé, pour tout dire. J'aurais pas détesté en vrai être pilote, même amateur. Bon, Céline, c'est parce que c'est une comédienne qu'on aime et qui a déjà fait des choses avec nous. Mais quand même, je tiens à préciser que mon père a été trois fois, il a fait le podium, enfin il a été trois fois premier à la ronde du Jura. Voilà, mon père a été premier à la ronde du Jura en tant que copilote sur quoi comme... Mini Cooper. Mini Cooper, S-400. Voilà, en 71, 72 et 73. Donc je crois qu'il y avait quand même du fond quelque part. Jurassienne de réparation, on l'a joué, on l'a créé il y a 16 ans. On en a fait d'autres hein, depuis. On a fait Stand 2000 l'année dernière au Square. Là, on a fait Ulu, on a fait Vigile, on a fait Télémoustique parmi les choses qu'on a fait à Aurillac. Mais la Jurassienne, c'était il y a 16 ans. On l'a fait toujours. Mais il faut dire aussi que si on fait ça, c'est parce que les pilotes attirent les femmes. Autant ça coûte une blinde, ce n'est pas du tout écologique, mais... C'est comme ça, les femmes adorent. C'est comme tous les, toutes les compagnies qui viennent à Aurillac, il y en a 600. Donc, in ou off, c'est un espèce de grand marché, un grand bazar, un grand fourre-tout, une grande foire au spectacle. Donc toutes les compagnies
mettent d'un côté les pros qui peuvent acheter, de l'autre le vrai public. Mais on préfère avoir trois programmateurs qui nous achètent le spectacle quand on joue et finalement un petit nombre de spectateurs plutôt que l'inverse. Vous voyez ce que je veux dire ? Je ne suis pas d'accord. Ben, on n'est pas forcément d'accord sur tout. Voilà. Mais je suis pas d'accord. Non, mais c'est vrai. Avant tout, on joue quand même pour le public. On joue pour le public aussi. Ah, tu rigoles. J'exagère. Voilà, il exagère tout le temps. Je m'excuse. Merci. C'est bien. Donc, prêt pour une tournée de France, quoi. Oui. Oui, mais on a déjà des dates de prévues, là. Oui. Ouais, les prochaines dates, alors ? Ben, on va jouer dans les Cévennes dans une quinzaine de jours, trois lieux différents. Ensuite, avec le CDN, le Centre Dramatique de Besançon, sur quatre dates. Et puis ensuite avec Scène du Jura, Châteauroux aussi. Enfin bon, c'est pour l'année prochaine. Mm. Et puis sans doute à Rion en côté en de Clermont. Mm. Ouais. Okay. Bon, bah merci. Bah, merci. Au revoir. Et dans les Cévennes, il y a un beau rallye. Le rallye ah bah le rallye des Cévennes, oui. Ouais. Hein, le rallye des Cévennes. Hein. Oui, mais j'ai jamais fait. 10 mètres, flacon. Essuie-glace en position 3, arrêt essuie-glace, suivi de virage droite 150, en sous-bois, attention, grosse bosse. Ah, la pute. Oh, la nappe de brouillard. Oui, c'est une petite nappe de brume légère, continue, suivi de droite serrée. Montée rapide, suivi des pins. Suivi de gauche, 160. François, je ne peux pas continuer comme ça, je vois. Attention, il y a une grande descente en ligne droite. Suivi de droite serrée, freinage fort. Freinage. Attention, tu vas trop vite. Voilà, attention, une autre épingle en bas de la descente. Continue. Thank you.